Quelles sont les qualités principales pour réussir chez Laura Merlin? L'autonomie, mais néanmoins aimer travailler en équipe, parce qu'il y a un énorme collectif. Tout le monde a compris ici que c'était grâce au collectif qu'on allait aller plus loin. Il faut aussi être fun, en tout cas aimer une bonne ambiance de travail. On n'est pas ici pour faire les choses bien, on est là pour faire les choses mieux. Ben voilà, il faut avoir envie de se dépasser au quotidien. Qu'aurais-tu aimé savoir avant de commencer à travailler ici? Ben que j'allais prendre autant mon pied, parce que je serais peut-être venu avant, de fait. Il y a beaucoup de boîtes qui vous diront « oui, mais chez nous, l'humain est important, et puis notre projet, c'est d'améliorer la société ». Là, pour le coup, on vit vraiment ici. C'est pas du flan, comme on dit. Enfin, on peut dire « c'est pas du flan en 2021 ». Ouais, c'est Finalement, c'est grâce aux autres qui, eux, sentent bien aussi ici qu'on se sent très vite accueilli comme dans une grande famille. Tout le monde se tutoie, les échanges sont hyper simples, que ce soit un DG, un domaine leader, ce qui permet en fait aux gens de finalement très rapidement se sentir hyper à l'aise au sein de la société.